Salut à tous, c'est Jeff. On se retrouve pour le premier épisode de la série consacrée à Amnesia The Dark Descent. Pour ceux qui connaissent pas Amnesia, c'est un jeu de type Survival Horror sur PC que vous pouvez acheter pour 15€ sur Steam. Et donc, c'est parti. Je vous expliquerai le reste après la cinématique d'intro. Donc, heureux les gens, donc ouais. Tout d'abord, je tiens à m'excuser hein, pour le retard. Parce qu'en fait, j'avais plusieurs choses à régler avant. Notamment, là, je travaille sur un projet Minecraft. Donc, je devais configurer mon serveur, mon site internet. Je posterai certainement une vidéo hors sujet hein, sur ça, justement. Et donc, bah, allez, go! Donc aussi, j'ai déjà fait la démo d'Amnesia, donc il y a certainement quelques scènes, quelques passages que je connais déjà forcément. Aussi, si vous avez d'autres jeux, pas forcément de type d'horreur, hein, aussi des custom stories ou des mods, bah n'hésitez pas. Perso, j'ai déjà prévu de faire des SCP. Dead Island, Alan Wake, et puis un mode sur Half-Life aussi, Nightmare House. Si vous en avez d'autres, bah, n'hésitez pas. Aussi, si vous avez des jeux indépendants à nous proposer, qui sont pas très connus, bah n'hésitez pas. Avec Jean, on fera des vidéos découvertes sur ces jeux-là. Sinon, en série, on a déjà prévu un mode sur Arma 2, ça s'appelle DayZ. Ça sera un monde apocalyptique, on va dire, puisque on devra survivre et il y aura des zombies. Il y a aussi les portales, enfin Portal 2, un multi qu'on va faire. Il y a aussi Dead Island, justement. Puis avec un autre pote qui est sur mon serveur Minecraft, on fera sûrement des vidéos de Modern Warfare, de Battlefield, de Ruse aussi.
filmerai peut-être quelques vidéos en multi, genre sur Max Payne 3. Voilà. Si vous avez des RPG aussi à me proposer, déjà je compte faire les Mass Effect puisque je suis un grand fan des Mass Effect. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas non plus, hein. Je suis preneur. Là, vous inquiétez pas, je suis bien dans l'ambiance. Je suis tout seul dans ma chambre, il n'y a pas de lumière. Ils ont disparu. Là, je voulais les écraser, mais... Je pense que je vais faire des épisodes de 2 heures que je vais couper par session de 40 minutes. Ce sera bien, je pense. Par ici, devant. Ouais. Je crois que c'est une lanterne, ça. Ouais. Par contre, je sais pas si j'ai de l'huile. Si, ça va. Bon, j'en ai pas beaucoup. Là, j'espère que la vidéo va pas trop bugger parce que j'avais déjà fait plusieurs essais. La première fois, bah, ça laguait, le jeu frisait, et puis la deuxième fois, le son il était en décalé. Donc j'espère que cette fois ça sera nickel. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum. Find Alexander and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both. Daniel, descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. D'accord, donc notre personnage s'appelle Daniel et il a décidé de boire une potion d'amnésie. Apparemment, il a été traumatisé par quelque chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit tuer un certain Alexandre.
Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. C'est résistant et flexible, ça ne peut être cassé ni à la main ni avec des outils. Là, je vais devoir trouver un autre moyen de passer. Note. Non. Des espèces de tissus organiques bloquent l'accès à la raffinerie. Est-ce qu'ils peuvent être dissous? Ok. Donc je dois trouver de l'acide pour dissoudre ce truc là. J'aime bien le décor. Hein. Bon, même si le château il est plutôt défoncé là, mais c'est pas mal. Le style est pas mal. Par contre, c'est bizarre ces bestioles. On dirait une sorte de scarabée. Là, je vais essayer de les écraser. On peut pas. Laboratoire et café. Ok. Je vais aller au labo, il y a peut-être des ingrédients. Enfin des potions pour dissoudre la matière là-bas. Fait flipper ce cri là. Un chien. Ah bah je peux pas passer. Il y a des traces de sang, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est fait écraser. Il n'y a pas de chance. Hein. Il y a des fioles mais il n'y a rien dedans. Les preuves dans le laboratoire ont révélé que la combinaison des quatre produits chimiques peut créer un accident un acide puissant. Le manque d'une cheminée pour permettre la bonne ventilation de la fumée issue de mes récentes expériences a altéré mes ingrédients les plus instables que j'avais en stock. Certains ne semblent pas être affectés, mais beaucoup sont souillés par les vapeurs et seront difficiles à récupérer. Je vais voir ce que je peux faire et les déplacer dans la cave à vin. Ok, donc les quatre ingrédients sont dans la cave à vin. Bon bah, on va les chercher. Hein. Oh.
should be more Kubrick. Let me see. And one part Aquaforce. On dirait qu'il y a une personne qui marche là-haut, à l'étage. Je sais pas si vous avez entendu. Alors, c'est ma troisième tentative dans l'espoir de créer une essence vitale artificielle. Les anciens composants manquaient de cette puissance dont j'avais besoin, mais je sens que j'arrive au but. La calamine et leur piment sont une garantie, et le cuprite, les maintient bien ensemble. Cette fois, je vais essayer de remplacer l'eau forte par de l'eau régale. Peut-être que j'obtiendrai un résultat plus équilibré. L'expérience fut un échec. La solution est très acide et résulte être inutilisable sauf pour servir de détergent. Le tissu organique réagit très violemment et la solution devrait être manipulée avec le plus grand soin. Je pourrais peut-être utiliser la recette, mais je commence à perdre dans l'espoir de pouvoir un jour trouver une solution alchimique pour me sortir de là. Que je trouve tous ces ingrédients là. Parce que c'est, on dirait du papyrus. Ouais, par contre, il y a bien quelqu'un qui marche là-haut. On va aller à la cave à vin. Cave à vin, voilà. C'est fermé à clé et ce ne peut s'ouvrir sans. Trouver la clé de la cave avant. Bon bah, on va chercher la clé. Par contre, je dois pas être seul puisqu'il y a une femme qui vient de crier. Archives. Bon bah, on va aller voir ce qu'il y a. May 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night.
Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Apparemment, ils ont emmené quelque chose d'Algérie. Peut-être qu'ils auraient pas dû. Catalogue. Quoi ça? May 17, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it. And as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Par contre, là, je vais faire attention parce que j'ai entendu comme un violon. Donc, je dois pas être seul. Je livre. Il y a un piano maintenant. Là, c'est sûr que je suis pas tout seul. On va quand même faire gaffe là. Histoire locale. Fermer la clé. Tiens, c'est peut-être ce piano. Oh, oh, oh. Ah. J'ai entendu un truc grogner. Oula. Ça vient de là en plus. Là, il y a carrément du sang qui coule. Ça me bouge carrément le passage. Vous devez trouver un nouveau chemin en dehors de cette zone. Ouais, bah là, c'est sûr.
Ça doit être un flashback. 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Il y a encore le piano là. Bah, personne. Genre le piano il joue tout seul. Ah, par contre on va allumer quelques lampes. Apparemment, ils s'attendaient à que quelque chose vienne. C'était, bon, ils étaient pas assez préparés pour là. De ce qui se passe là. On peut peut-être passer par là. Fragile, mais ça ne peut être cassé à la main. Ok. Il suffit de prendre une chaise ou une pierre. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Ok. Donc ce sont des livres, leviers, enfin. Il y en a combien à activer comme ça? Là, c'est le deuxième. Le troisième, il est là. Ah. Voilà. Ok, ça ouvre ici. Là, il y a de l'huile, là. De la cave à vin. Oh. Je vois. La porte a été défoncée, on dirait. Je vais vite aller à la cave à vin. What? What? C'est quoi ça? Personne? Je vais vite me barrer d'ici. Oh.
Vite. En tout cas là, dans les archives, j'y retournerai plus. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore la matière organique là. C'est bizarre ça. C'est... plus ça fait mal. On va ouvrir la cave à vin. On va chercher les ingrédients. Tiens, il y a une faute d'orthographe. C'est lève. Voilà. Il y a encore des bruits de pas. Donc il y a des personnes qui ont été enfermées dans la cave à vin. Oh. Je vais faire gaffe là. C'est quoi ça? Du vin ou du son? What? Des cochons? Hein? What the fuck? Alors d'abord des cochons, puis après une porte qui est... les cochons. En plus, il y a des bruits de pas. C'est quoi ce truc? Il y a des morceaux de partout. Là. On dirait un pied. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais c'est le foutoir. Genre les mecs ils ont carrément explosé en buvant du vin. Je sais pas ce qu'ils ont bu mais... Il y a encore des traces roses. Alors qu'est-ce que c'est? Les derniers mots de Wilhelm. Mon nom est Wilhelm, maison de Jerick. Ce sont mes derniers mots, ma confession et mon testament. Il y a 2 ans, j'ai été appelé au château de Brandenburg. Comme la plupart des aristocrates, j'étais curieux à l'idée de savoir ce que ce supposé chevalier pouvait bien vouloir de moi. J'ai donc accepté l'invitation. Le baron était très convivial et m'a fait une offre. Il s'est avéré que la nature du contrat était sordide et que la raison pour laquelle j'avais été choisi était liée à mes folies passées et non aux honneurs que j'avais pu recevoir de mon temps de soldat. Je me devais de capturer des humains en bonne santé selon son bon vouloir et ce sans poser de questions. En échange, il me recommanderait alors la cour royale, en facilitant mon avancée au sein de l'élite. J'aurais bien aimé prétendre que j'ai longuement hésité, mais il n'en était rien. J'acceptais l'offre sans condition. Depuis ce jour, j'ai amené des hommes et des femmes et des enfants à Brandenburg. Je me souviens pas du nombre, mais il y en avait beaucoup, peut-être même 100. On n'a plus jamais vu ni entendu parler d'eux. Ce soir, le baron m'a invité, moi et mes hommes, dans la cave à vin pour célébrer notre travail.
J'ai eu des soupçons lorsque nous descendions des escaliers, mais il a insisté et nous a rejoints pour un toast. Le vin était goûteux et mes hommes l'ont bu sans vergogne. C'est à ce moment que notre châtiment a commencé. Le baron nous a enfermés avant de retourner à l'étage. Pardonnez-moi pour ce que j'ai fait. J'étais faible et je me suis laissé prendre par ces idées diaboliques. Mes hommes n'arrêtent pas de crier, leur peau a été percée par leurs propres os. Je sens mes entrailles se révolter contre leur propre nature, celle donnée par Dieu. Le sang commence à couler et mes yeux... Je ne peux plus. Okay. Ils auraient pas dû boire du vin. C'est quoi? On dirait un morceau de tissu. Ça doit être Wilhelm, là. Ah tiens, c'est quoi ça? Au régal. Voilà. On a un ingrédient sur 4. Par contre, je comprends pas ce que foutent des cochons au plafond. Fermer la porte au cas où. Le baril contient quelques gouttes d'huile. Il y a rien ici. Ah si. Calamus. Oh. Hop. Carrément. Y avoir un mec, juste un de la lumière. Ouais, y a quelqu'un là. Quoi ça? L'eau. Ah. Oh. Il me regarde là. Je sais pas s'il est de dos ou de face. Ah, il s'en va.
La tête est au bord de l'explosion et les mains tremblent. Bah tiens, elle est ouverte la porte. Elle était fermée tout à l'heure. Or, piment. C'est bon, on a tous les ingrédients. Je vais retourner au labo. Faisons attention de pas croiser un petit monstre. Allez, je vais courir. J'ai pas envie de rester là. Ça me suit partout, ça. Ça bouge. Je... Aïe. Laboratoire. Je vais aller fabriquer la potion. Enfin l'acide. Alors. Oh, régale. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai plus d'huile. Calamine. Cuprite. Oh. What? Carrément. L'escalier s'est effondré. C'est marqué quoi? Les escaliers se sont écroulés. Trouver un moyen de remonter. Bon, je vais d'abord fabriquer la potion. Alors. Leur piment. Les brûleurs doivent d'abord être allumés. Voilà. Ah, je vais mettre le flacon. Non, ça, je peux pas. Voilà. Et voilà. Flacon d'acide. Donc c'est bon. On va retourner au point de départ là-bas. Bon, par contre, il faut d'abord trouver un moyen de remonter. Donc, ah bah voilà. Oh, ça s'est mis tout seul. Je l'ai balancé, ça s'est mis tout seul. Oh, tant mieux.
trouver la raffinerie. Ah donc là ça doit faire 20-30 minutes que je filme. J'ai pas mis le chrono mais bon. On va se quitter là. Enfin je vous dis à tout de suite hein, pour l'épisode 2. A tout de suite.